bien, salut à toutes et à tous, l'aime compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Ah, ça c'est un petit peu gênant en fait, hein. Je voulais faire la petite caresse sympathique du début d'épisode, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est un bel épisode qui démarre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, je suis très content de vous retrouver. Voilà, au village, bon là on est d'autre côté du village, je me suis fait un kiff, en fait je voulais grimper là-haut là. Mais en fait c'est pas possible, ils ont mis des murs invisibles les salauds, on peut pas grimper au-dessus du village. Enfin bref, ça a été bien pensé pour ne pas... En fait je voulais commencer l'épisode tout en haut, mais c'est impossible. Bref, aujourd'hui on va parler à Da des Udam. Et puis on va voir ce que va nous réserver la suite de l'aventure de notre épopée. Je vous rappelle, nous sommes à 90% de la fin du jeu. Est-ce que c'était nécessaire de vous le rappeler? Je ne sais pas, mais il va falloir se faire à l'idée que Johnny... Johnny Hallyday bien sûr, n'oubliez pas le like, j'adore l'humour, j'adore rire, je suis un humoriste comédien bien sûr. Et c'est ici que ça se passe, mon petit dada, comment ça va mon dada? Est-ce que je peux te parler mon dada? Eh oh, dada. Udan Daguach Tam Malchasar Guanash Manu da la sewa na malchasar jarta laikwa u swasar guan urus salwaya. Est-ce que tu viendrais pas de nous insulter de fragile? Est-ce que tu as osé... Malchasar. Est-ce que tu as osé parler de ma population en disant que c'était fragile? Est-ce que j'ai bien compris là? Est-ce que tu vas morfler toi? Oui bien sûr tu vas morfler toi, je vais te tuer toi hein. Toi, mais je vais le fumer lui hein. Eh hey, d'ailleurs, il est encore là Rosalia là Enfin je sais plus comment il s'appelle là, pas Rosalia, c'est la chanteuse. L'autre là, comment il s'appelle là, le fou là, avec son masque qui était plus dur à tuer et qui est normalement installé par ici. Salut Kirikou. Il est là normalement. Ah. Ah. Il est où? Il est dedans vous pensez? C'est vrai qu'on sait pas où il est hein. Faudrait se méfier de Loki d'or quand même. Alors du coup il va falloir tuer les sœurs. Les sœurs. Et ça se passe ici. Non mais hey. Tuer les trois redoutables sœurs Isila. Mais avec grand plaisir. Non mais en fait on a vraiment fait le jeu à l'envers hein. Oh, tu sens qu'il y a des missions qui vont à... Non frère, et alors, on a vraiment fait le jeu à l'envers hein. Là tu sens que c'était... on était censé commencer à arriver vers le sud là hein. Sauf que le sud on l'a déjà fouillé de fond en comble maintenant donc bon. Ah ouais. Ah oui non mais là on a vraiment fait le jeu à l'envers. Bon c'est stylé pour le coup, c'est pas un problème hein. On peut vraiment faire le jeu dans n'importe quel sens hein. Bon d'accord, tout de suite barre. Okay, il vient de me mettre une tempête mon dent de sabre, mais c'est pas grave. Non mais je te montrerai pas. Essaye pas de te racheter. Non, non, mais je te montrerai pas. T'as pas voulu de moi, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va gagner! Paf! Paf! Voilà, terminé mon soir. Moi, j'arrive. Je suis Joséphine Ange Gardien. Voilà, finalement, appelez-moi Joséphine Ange Gardien, Joséphine de la Mare. Ça, c'est un régal. Protéger Wenja des prédateurs, oh, rien à péter. Mais alors, mais rien à péter. Eh oui, parce que Joséphine Ange Gardien ne protège pas tout le monde, il faut le savoir. Hein. Celle qui choisit ses missions, hein. Faut pas croire. Hein. Parce que sinon, elle aurait pas le temps de faire la série. Hein. Enfin bref. Bon. Je sens que ça va être difficile et facile en même temps. Les sœurs du feu. Trophée volé. Parce qu'à mon avis, vraiment, le plus dur a déjà été fait, clairement, les gars. On a pris le jeu, on l'a retourné, frère. C'est une dinguerie. Oula. Alors. Ah. Bon, bah. Pour la discrétion, on repassera. Hop. Voilà, trophée volé et 2-1. Ensuite, bah, ils sont où les gars qui me voient et que je vois pas? Oh! Ah là! Paf! Gênant. Attaque! Voilà. Eh? On m'a envoyé du feu dans la gueule là.
Attends. Oh, bon, j'ai lancé toutes mes sagas dans le vide, c'est un bonheur. Oh non. Oh non. Mais il y a trop de monde. Des renforts ont été appelés. Ok, j'ai compris. Trop facile ce jeu. Trop facile ce jeu. Allez, ça je prends. Aïe. Ah ouais. T'es en train de cramer là mon copain. Attendez. Hop. Dans ta gueule. Voilà. Debout. Voilà, échappez-vous du camp Easy là. Pas avant de les avoir tués tous, jusqu'au dernier. Paf. Dommage. Allez, hein, dans ta gueule. Poufias. Attends. Viens voir toi. Allez, on again. Oh. Ça a pas marché comme j'ai voulu. Paf. Oh le malaise. Non. Putain de jeu de merde. Voilà. Les sœurs du feu. Mais non, mais attends, il y en a encore. Mais non, j'ai pas fini. Allez, on again. Bah, pourquoi ça marche plus? Pourquoi ça... Aïe. Pourquoi ça marche plus? Non, mais moi, je veux tous les tuer, moi. Bon, bah voilà. Bah, je les ai tous tués. Ça m'a fait plaisir. C'était si facile. Ensuite, il faut que je retourne par l'Ada, peut-être. Même pas, hein. Même pas, hein. Y a rien à faire, hein. C'est incroyable. Je n'y comprends plus rien. Bon, allez, on se barre. Y'a rien à faire ici, on se casse. On fait un petit peu de luge alpine. Hop là. Un bonheur. Oh. Ah. Bon bah voilà, et puis maintenant. Que faut-il faire? Point de compétence. On peut rien faire avec un point de compétence. Carte. Y'a rien. Purée, y'a rien à faire. Bon bah écoutez, dans ce cas-là, pas le choix. En attendant qu'une nouvelle mission arrive, eh bien. On va s'occuper de cette zone-là. Hein. Là, on avait tout fouillé, on a dit. Là c'est la dernière partie avant d'aller à la nouvelle zone. Donc on va s'occuper de là. Regarde là. Ici là, ah bah y'a une grotte là. Non, y'a pas une grotte là? Même pas non. Peinture rupestre et main d'Aïcha. Y'a forcément une grotte. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Allez, on va se taper là. On va se faire cette zone rapidement les amis. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ça va être plutôt sympa. On va pas perdre de temps. Viens là mon copain. Alors je te soigne dans un premier temps bien sûr. Et ensuite je te monte. C'est comme ça qu'on fait hein, pour conquérir le monde, évidemment. Hop! De retour dans la neige. On passe du sud au nord. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, même à Vesoul. Ce qui signifie donc qu'on va tomber malade. Hein, tout simplement qu'on va choper la crève. Hein, parce qu'on passe quand même d'un climat à l'autre d'une manière assez extrême. Oh, il y a un lieu inconnu en bas, j'en ai rien à foutre. En fait, j'en ai plus rien à foutre là, ça y est. Moi, j'ai juste envie de récupérer mes trophées là. Enfin, mes trucs de collection là. Parce que bon, les lieux inconnus, ça va 2 minutes. Hein. Eh, tu fais quoi là? Putain mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ok. Y a un grappin là ou... Mais qu'est-ce que c'est que ce beans encore? Mais on peut rien faire. Ok. Il faut passer par là. Oh non. Quelle arnaque. Ah. Bon bah écoutez ma foi. Viens par là El Tigré là. Rien à péter de leur connerie là. Ils ont besoin de se sentir fort là. Rien à foutre. Nous là on veut juste récupérer Aïcha. Aïcha, écoute-moi. Allez, je vois qu'on peut grimper par là. C'est que et salut à tous, c'est Fox. C'est que c'est le chemin. Voilà, c'est exactement ça. Hop, le petit grappin, bim, baboum. Hop. Putain, il lâche pas l'affaire hein. C'est vraiment des vrais forceurs, on dirait WAM. C'est incroyable hein. Alors, hop, tac. Voilà. On monte. Et la main d'Aïcha, messieurs, dames, va être juste ici. Alors, comment je vais faire? On va se balancer, hein. Et hop, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, boum, on enchaîne par là-bas. Alors, je pense qu'on peut suivre, voilà, ce chemin. 92 sur 100, bien sûr. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on va tout simplement suivre la route. Du bonheur, la route du paradis, la route de l'Everest hein, finalement, Inoxtag. Je veux dire, c'est comme faire le tour de France en vélo électrique quoi. Hein. C'est super facile MDR, lol. Bande de trous du cul. Ah putain, c'est bon ça.
La réussite en France, c'est compliqué. Hein. Alors, grotte de la Shanga. Ah oui, c'est une grotte. Mais cachée. Tu fais quoi, toi? Mais ça va pas ou quoi, là? Bah voilà, on a une. Bah, c'est certainement là la dernière grotte, en fait. Eh bien, c'est la dernière grotte, en fait. Elle n'était pas là où je pensais. Eh bien, comme quoi, on fait bien d'y aller. Il y a du poison. Rien à péter, moi, de ton poison. Hop, parce que moi, je fais ça. Hop, et voilà. Simplement. Hop, voilà. Je descends pas, j'en ai rien à péter. Oula, j'entends des mutants. On est sur Sons of the Forest ou quoi là? Hop, voilà. 3 points d'appui toujours. Oh, peau de dôle. Tu tôle. Alors, la main d'Aïcha a l'air d'être en bas. C'est complètement con. Alors attends. Voilà. Ça c'est un aller simple également. Ah bah voilà. C'est un aller simple vers la main d'Aïcha, je pense. Ah ah. Cet endroit ne sert à rien, ça me paraît étonnant quand même. C'est ce que je veux dire. Ah. Bah non, du coup je attendais parce que là en fait tout est à l'opposé de là où je suis. Donc en vrai on s'en bat les steaks de cet endroit minable. J'ai pas envie d'éteindre mon feu en fait, pour être honnête. Je sais même pas pourquoi je veux économiser alors qu'on a de la peau d'animal et de la graisse à foison. Mais bon, c'est pas grave. Oh. Oh. Argile du Nord. D'accord. Non. Bah c'est... Ok. Bah, on va descendre, ok, j'ai compris. Bon, bah on va aller dans le poison. Alors, antidote. Boum. Ah, bam. Alors... Sachant que ça dure longtemps maintenant, hein, grâce à nos points de compétence, donc autant en profiter. Et voyez-vous, ça ne servait à rien. Hein. Cet endroit ne sert à rien. C'est un vrai bonheur. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je ne sais pas. Allez, un petit effort quand même. Hein. Plus de sac. Bon là, on se fout. Mais il y avait du feu là. On se fout de ma gueule ou quoi? Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Attendez. Je remonte, hein. Parce que j'ai l'impression qu'on se fout de moi. Peut-être. Peut-être. Non, non. Non, non, je voulais pas que tu te rattrapes. Donc je viens de là, hein. Je voulais pas aller en bas, maintenant je peux y aller. Ardoise. Là, y'a rien. Et y'a vraiment rien là? Donc ça veut dire fallait vraiment que j'aille là où j'allais? Ok, bah je vais aller là où je vais aller alors. Ok, bah excusez-moi pour ce petit contretemps. Là? Ouais, ok. Et là. Voilà. Bon bah retour à la case départ, hein. C'est la team BS, hein, représente, hein, la fouine, tout ça. Cindy, etc. Aïe. Mais non, mais par là. Mais je suis con. Il suffit de brûler ça. Ah mais même avec ça on passera pas. On passera quand même pas, je suis trop gros, j'ai un trop gros zizi. Est-ce que je peux enflammer la saga, bien sûr? Oh mince. Je peux plus refaire de saga, attention quand même. Ouais, ça sert à rien ce que je viens de faire là. Ça sert absolument à rien. Un bonheur. Donc je viens de là-haut. Je viens de là-haut. On a vu en bas qu'il y avait rien. Ah. D'accord. Ouais bah en fait faut se rendre à l'évidence, hein. Il y avait qu'un seul accès. C'était l'accès que je voulais pas aller, hein. Eh bah c'est pas grave, on y va. Allez, impec. Hop, un petit plongeon. Voilà, on voit absolument rien, c'est normal évidemment. Quitter. On va aller par là. Hein. Je pense qu'il faut s'éloigner pour se rapprocher, à mon avis. Ouais. Oui, je pense. Je pense que. Je pense tant que je suis. Oui, c'est là, regardez comme c'est beau là. Oui, il fallait faire un petit tour en fait. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, prochaine fois j'y penserai. Je vais prendre gourdin demain, je vais l'enflammer. Voilà, comme ça vous verrez quelque chose évidemment. Et voici dans la vraie partie de la grotte. Ok, on s'est vraiment fait couillonner quoi. Voilà. Alors, par là. Voilà. Par ici. Voilà. Ça c'est quoi? De la feuille jaune du Nord, ça fait toujours plaisir. On sait pas à quoi ça sert mais c'est pas mal. Oh regardez ces bugs de lumière, c'est un bonheur. Ah,
Le grappin, je ne peux pas l'atteindre, évidemment. Ah bah, j'avais pas vu. Excusez-moi, je suis un petit peu con-con. Hop, voilà. Tac, on ramasse. On ramasse. Sandoros. C'est un cul-de-sac, hein. Ça sert à rien cet endroit, c'est incroyable. Oh bah là, mais j'avais pas vu. Mais non, mais s'il te plaît, fais un effort quand même. Là, il faut faire des efforts, Mama Fadi, hein. Voilà. Superbe. Ensuite. Là, c'est du vrai parcours, hein. À la one again! Ça passe, parce que là, si ça passait pas, j'avoue, j'aurais rage kit peut-être. Peut-être! Ok. Et alors là, de l'ardoise, hein, c'est toujours bien. Et voilà. Eh ben, ça servira à accrocher le grappin, en tout cas. À descendre en rappel, tel le GIGN. Mais comme il en a pas envie, il remonte, parce qu'il est un petit peu con. Moi, je vais vraiment descendre pour le coup, hein. Voilà. Oh, on était de l'autre côté tout à l'heure, c'est là que j'ai enflammé, d'accord. Pas mal. Alors, je descends. Ah, je suis sur une... Ok, je... D'accord. Oh. Non, c'est incroyable. Eh, il est super bien fait ce jeu en fait. Pardon. On n'était pas déjà là. Rassure-moi. Non, on n'était pas déjà là encore. Non, c'est bon. J'ai cru qu'on était revenu sur nos pas là, j'avoue, flemme. J'avoue la flemme. Mais la grotte... Ah. Oh le bâtard. Oh le bâtard. J'ai eu si peur. Oh j'ai eu si peur. Par contre la pointe. Oh je suis navré. Oh je suis navré. J'ai eu si peur. Comment on sort? Vite. Oh mon dieu, j'ai eu si peur. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Oh ça fait longtemps. Oh, là ça donne juste envie de relancer un jeu d'horreur. Oh mon dieu. Très bien. Alors attendez, bougez pas. Voilà, c'est du spectacle hein, avant tout. Voilà. Allez hein. Ça c'est fait. Hop. Parcours. Je sais pas où je vais mais je pense que je suis en bon chemin. Alors. Ok. Voilà. Très bien. Ça c'est, elle est gigantesque cette grotte, je n'y comprends rien du tout. Hein. Mais alors rien du tout. On était déjà là. Mais non, on a fait un de ces détours. Comment que j'ai pas compris. Bon déjà on a la peinture rupestre. Pas mal. On a la peinture rupestre. Et je crois que c'était la dernière d'ailleurs. Et ça c'est fou quand même. Ensuite. Ouais c'était la dernière, superbe. Donc c'était la dernière grotte. Et là, non on était même pas là en fait. On n'est jamais allé là. Ah mais... Bah... Oh non. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, on est au début. On est de retour au début. Alors, on est de retour au début mais c'est pas grave parce que... Non mais attendez, vous rigolez. Du coup, il y a... Attendez, on est vraiment de retour au début. Sauf que la différence maintenant, c'est qu'on peut aller là. Et on pouvait pas avant. Et donc, c'est-à-dire que je peux grimper là. J'y suis allé avant, je sais, hein, vous inquiétez pas. Et là, il n'y a pas une variante. Et voilà. Et voilà. Et j'ai l'œil. Alors ça servait à rien. Mais... non, ça servait à rien, il y a vraiment rien. Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais on a fait un de ces tours. J'y comprends rien et ça m'excite. Hein? Non. Non par contre la main d'Aïcha on va quand même pas... On va quand même la... C'est la première fois que je sèche là. Et que je sèche réellement quoi. La peinture rupestre était là. Ah merde. Donc c'est... Attends, je dois refaire mon tour vraiment là? Non, tu rigoles. Je vais pas refaire tout le tour que je viens de faire là pour revenir ici si. Ou bien... Arrête hein. Mais non. Mais non, faut que j'aille là. Voilà. Hein? Ah c'est bon. Et là je descends là, je sais pas où je suis hein. Oh non. Ok. Pas mal. Pas mal. Je suis à la hauteur de la main d'Aïcha, mais la main d'Aïcha n'est pas là. Je vais péter un plomb.
c'est bon pour vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh, on va quand même pas Attendez, parce qu'il y a vraiment rien ici là. Ça, ça m'étonne quand même. Ça, ok, y a rien. Wesh, j'ai fait Spider-Man, vous avez vu? Non, vous avez vu? Oh, c'est trop. J'ai fait Spider-Man quoi. Donc là, y a rien d'autre. Là, il faudrait que j'aille là-bas, mais comme c'est en bas, c'est complètement con. Et si je vais là? C'est là qu'il y a le poisson croc. Bah, j'ai dû passer à côté, regardez. Non, elle est encore en bas. Non, mais c'est là que je dois aller, c'est sûr. C'est là que je dois aller, c'est sûr. Bon, au final, je refais quand même le tour, mais à l'envers. Donc, retour à la case départ, me diriez-vous? Non, elle est en bas. Ah, elle est... c'est bon. Faut aller tout en bas. Ok, antidote. Et on descend tout en bas. Ça le fait. Voilà, je savais qu'il manquait un truc. Et on la voit d'ici en plus, c'est impeccable. Allez, let's go. Eh bah putain. Eh bah mon vieux, elle était pas facile celle-là. Oh, elle était pas facile hein. Grotte terminée. Madame, monsieur, bravo à tous, merci de m'avoir supporté jusqu'ici. La grotte de la Charnia. Moi j'aurais dit la grotte du Nawak hein. Ça porterait également bien son nom. Alors maintenant pour retrouver la sortie ça va être encore autre chose. Mais en vrai non, la sortie est par là, mais de toute façon on s'en fout parce qu'on va quand même, on va quand même se téléporter parce que ça servira à rien de faire tout le retour pour la simple et bonne raison messieurs dames que on va faire ces deux bracelets juste ici au dessus. Ah bah on a le TP là en plus. Voilà, on va se faire ça comme ça les amis, c'est impeccable. Est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, je ne sais pas. Donc dans le doute, dans le doute, et vu le bruit qu'il y a dehors, à mon avis il fait nuit. Donc dans le doute, on va dormir messieurs dames. On va sortir, on va faire les deux bracelets et on va voir quelle est notre prochaine mission principale. Est-ce qu'il faut reparler à Da ou est-ce que bah, simplement on va simplement se diriger vers les terres Udam hein, tout simplement hein. Et auquel cas on est vraiment à l'avant-dernier épisode. Voilà, allez. Tu m'as fait peur hein, par contre, tu refais plus jamais ça hein. Donc on va sortir par ici. Ça ne m'a pas l'air d'être la sortie, si c'est bon. Heureusement. Voilà. Il fait bon, il fait chaud, c'est parfait. Commence à neiger également, monsieur. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il m'a un peu surpris. On va se récupérer les deux bracelets. J'adore les bracelets. Je préfère les bracelets œil de tigre, personnellement, que les bracelets Wenja. Ah bah oui, mais on va peut-être commencer par celui-là, peut-être. Alors. Messieurs, dames, tendez l'oreille. Ici. Alors lui, on l'a vu. Hein. Alors lui, on l'a bien vu. Hein. Voilà. Il m'a fait peur. Et le suivant, ça va se passer simplement ici. Pareil, en bas de la cascade, à mon avis. Pas du tout. Cette fois-ci, ce sera au-dessus. Alors, ah, il y a Bixby qui s'est activé. Je me disais que j'avais entendu un truc, ça m'a fait peur. Là. Et voilà. Une bonne chose de faite, messieurs, dames. Donc, mais tu vas arrêter de me saouler, toi. Ça, c'est fait. Et donc, si on regarde les objets de collection, bah voilà. Hein, en fait, il en reste deux au milieu, là. Et après, bah là, c'est à la fin du jeu. Enfin, oh, on l'a fait, les gars. On y est vraiment là. Il reste vraiment que ça? On y est. On l'a fait, messieurs, dames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 bracelets visibles. Peut-être qu'il y en a d'autres. Waouh. Impressionnant, me diriez-vous. C'est quoi qu'il nous faudrait? C'est plutôt ça hein, en priorité. Ouais. Donc on va pas claquer nos points de compétence. Est-ce que du coup il faut parler à Da? Eh ben non. Donc on va se diriger réellement vers la fin du jeu. Bon, les petits lieux inconnus, il y en a plus beaucoup, hein, on s'en fout un peu. Bah du coup, bah voilà, messieurs, dames, on va se diriger vers la droite, tout simplement. Et on va récupérer sur le chemin les objets de collection. On y est, messieurs, dames, il faut se rendre à l'évidence. C'est incroyable. Là, on rajoutera une petite musique un peu guitare, nostalgique, triste, etc. Tutti quanti mes couilles.
19 sur 25 bracelets Wenja, donc ça veut dire 1, 2, donc il en reste 6, donc c'est les 6 bracelets visibles en fait, hein. Il n'y en a pas caché, on les a tous en vue. Donc voilà, on arrive réellement sur la fin à ce niveau là, donc c'est plutôt pas mal. Et plus que 7 pierres d'Aïcha il me semble. Et c'est tout, plus rien d'autre, terminé, bonsoir. Attendez, j'ai envie de me faire un petit plaisir quand même. J'ai envie de me faire un petit plaisir. Bon bah c'est superbe. C'est superbe. Moi je voulais me faire des potes, hein. Tenez. Mais tiens là, fils de pute. Pardon. Tiens dans ta gueule. Arrête. Alors toi je te le dis direct, t'es mort. Voilà. Voilà. Voilà, tout doux la bête. Voilà. Viens voir. Voilà, c'est ça, ouais. C'est bien mon loulou. C'est juste pour le plaisir, hein, les gars, hein, parce qu'on a déjà ce qu'il faut, évidemment. On a déjà les loups, hein, c'est les loups classiques, évidemment. Mais j'ai envie de me faire un petit plaisir. Comprenez-vous. Voilà. Allez. Grotte de l'ours tapis. Oh non, c'est Bernard. L'ours Bernard, Bernard tapis, bien sûr. Alors. Bracelet, bracelet. Si tu m'entends, va vers le 8. Là. Hop! Plafond d'XP! Vous avez atteint le plafond de verre. La terre est plate et vous ne pouvez pas en gagner plus. Ah! Mais plusieurs quêtes vous offriront des points de compétences en récompense, bien sûr. Terminez toutes les quêtes pour gagner des points et terminer l'arbre de compétences. Certaines quêtes sont cachées et peuvent être débloquées en terminant d'autres quêtes. Très bien. On fout. Tout ça pour dire qu'on est les boss, quoi, tout simplement. Voilà, hein. Ah. C'est sympa de me le dire. On a un bracelet là-haut. Voilà. Donc bah là c'est pareil. On va se TP. On va pas se casser les couilles. Hein. Là on speedrun parce que vas-y, c'est bon. Ces objets de collection là. Ah, terrible. Oh. Ah on est là. Excellent. Je me souviens qu'on avait galéré cet avant-poste. Forcément, on n'était pas encore très très chaud. Et je me souviens qu'on avait un peu galéré pour celui-là. Mais je n'en ai que des bons souvenirs, bien sûr. C'est important les souvenirs évidemment. Petite larme à l'œil. Et salut à tous, c'est Turbo. Allez, ça régale. Mais la map est grande et elle est petite en même temps, ça me tabasse. Parce que ça va vite quand même, hein. En vrai ça paraît loin et puis on arrive rapidement là où on veut. Tant mieux, évidemment, parce que ce serait très vite chiant. Surtout pour un Far Cry de cette envergure. Un petit Far Cry 5 quand même, ça peut être pas mal en vrai, non? Si on se faisait un... Est-ce qu'on se ferait pas un petit let's play sur Far Cry 5 de nouveau? Est-ce que je tenterais pas ma chance? Je sais pas, vas-y. J'aime pas recommencer les trucs que j'ai abandonnés en fait, pour être honnête. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. Tiens. Ou alors je reprends là où on s'en était arrêté sur Far Cry 5. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Hein. On va se TP. Tac, direct. On va pas perdre de temps. Voilà, je pense qu'il va faire nuit, ouais. Donc on va juste se reposer rapidement. Vraie question les amis, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont vu mon let's play, mon début de let's play sur Far Cry 5, et également pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pas encore vu, est-ce que si je faisais là un let's play sur Far Cry 5, que je reprendrais un let's play sur Far Cry 5, est-ce que je le reprends à zéro ou est-ce que je reprends là où j'ai abandonné? C'est vraiment la question que je me pose les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire que si je reprends là où j'ai abandonné... Faudra juste se mettre à la page et que vous regardiez les... Je crois que j'ai fait 9 épisodes, je suis plus sûr. Faudra juste que vous regardiez les 9 premiers épisodes, par exemple. J'ai une bêtise. Et forcément, bon, c'était il y a 2 ans. Après, il y a 2 ans, je suis à peu près le même qu'aujourd'hui. Hein. Ça change pas énormément, je pense. Mais ah, peut-être un peu moins de sex appeal quand même. Hein. Mais non, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ou sinon, on fait pas du tout Far Cry 5 et puis on ira se faire foutre, hein. C'est pas grave. Mais de toute façon je pense pas que je vais enchaîner de let's play direct, hein. On va faire une petite pause quand même avant. Pas déconner non plus. Allez, on va remonter l'Everest. Alors c'est bien d'avoir le... Ah voilà, c'est pour quel point suivant. Ça me rassure. Parce que c'est bien de grimper, mais si c'est pour être bloqué comme des débiles. Ah yes. Réussi. C'est une histoire étrange. Là. Ah bah c'est là-haut. Genshin Impact.
Ça me fait penser à Genshin à chaque fois, ce genre de rocher comme ça là, je sais pas pourquoi, c'est incroyable. Attends, ça n'a aucun rapport. Sur le toit du monde. Ensuite, on savoure même pas la victoire. Bracelet Wenja, non, de toute façon on va redescendre. On redescendra donc, on va faire dans ce sens, tac. Hop, ah, et puis en plus c'est plus proche. Bah oui, on va pas redescendre pour remonter quand même. Soyons pas cons. Hop. Allez. Il est là, juste là. Hop. Ah. C'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave, ça fait de la viande. C'est bon, la viande, ça fait des protéines. Hein. N'en déplaise. Oh. Alors attends. Parce que je rigolais en fait à la base. Quand du crâne fêlé. Eh, t'es fêlé toi. T'es fêlé toi. Main d'Aïcha juste ici. Ça gouille, ça gouille. Alors attends, pas... non. On va éviter de descendre s'il faut remonter. On va essayer de rester sur les hauteurs. Voilà. On va essayer d'être malin quand même. C'est pas comme si on avait un wingsuit. Alors. Vous avez vu, ça paraît loin et puis d'un coup c'est proche. Incroyable. Bon là, voilà, à mon avis c'est là-haut. Hein. Cherchez pas. Grappin. Parfait, parfait, parfait. J'aime voir ça. Le prochain, je l'ai en vue. Je vais pas le louper, je te le dis mon pote. Ah, ah, j'ai réussi. Putain, magnifique. Ah, je fais ça toute ma vie. C'est quand même vachement réaliste. Quand on y pense. Hop. Et... ah bah non, elle est là. Oh, je déçu. Je m'attendais à ce qu'elle soit... qu'elle soit là au bord là du gouffre. Allez, plus que 5 mains d'Aïcha. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut les voir éventuellement? Alors, bracelet, donc il en reste 3 ici. On a une main d'Aïcha là. Oh, ça veut dire que il reste 4 mains d'Aïcha là-dedans. Hein. Tout a été regroupé ici en mode balai couille, backlash quoi. Hein. Non, je rigole, je suis une mauvaise foi. Est-ce qu'on sauterait pas? Et attendez, il y a de l'eau là, non? J'ai envie de tenter un truc là. Hein. Mais non, il n'y a pas d'eau, de toute façon, c'est gelé. Complètement con. Non, 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 on va pas faire de dinguerie. On va pas faire de dinguerie, mais il y a mon petit doigt qui a envie de faire une dinguerie quand même. Hein. Oh, là j'ai eu chaud. Là j'ai eu chaud. Allez, on descend. En rappel. Hop. Oh là, c'est beau. GIGN. FBI, open up. Open the door. Ah. Adieu. Ah. Ouais, bon bah ça s'arrêtera plus. Hein. Allez, salut. Oh, c'est un bonheur. J'ai... ah oui, bah si j'avais sauté là, c'est... terminé, bonsoir. Voilà. C'est le bonheur. C'est le plaisir avant tout, évidemment. Je vais renvoyer la bête. Loup rouge neige. Ah oui, non, c'est vrai que je l'ai pas apprivoisé, le loup rouge neige. Mais on s'en fout. Il est pas si fort que ça. Allez. Ça a duré un petit peu plus l'épisode quand même, parce que bon, c'est vrai que ces derniers épisodes étaient un petit peu plus courts. Oh putain, il m'a pas respecté. Arrête. Abri du roc Bayabar. Ah. Allez, hein. Allez, mange tes morts. Mange tes morts. Mange tes morts. 1v1. Combat de bonhomme. Voilà. Combat de bonhomme. J'ai claqué toutes mes sagas, mais c'est pas grave, on peut en refaire. Bon. Petit bracelet. Ah. J'ai pas envie de descendre pour rien. Donc je m'assure que c'est pas là. Ça c'est du sang. Ok, c'est bien là. Ok, c'est là. Allez. Parfait. Impeccable, bien. Plus que 2 bracelets. Eh bien, c'est les 2 bracelets que nous voyons ici. Eh bien, comment vous dire, messieurs, dames, que nous allons passer par le lieu inconnu, évidemment, et on va commencer à pénétrer les terres Udam. Entrée des terres Udam régie par Ull. Donc, ça risque d'être assez folklorique. Je repense surtout au boss Isila dont j'ai chié en fait pour l'affronter. Donc je me dis que Isila était beaucoup plus difficile
Enfin, c'était Batari, elle s'appelait, hein, la dame. J'essaie de me dire que c'est plus difficile dans le sud que là, dans le nord. Donc peut-être ce sera mieux, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu mieux préparé également. Je ne sais pas, faut voir, j'ai un peu peur, j'avoue. Ce qui est certain, c'est que nous y allons. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe? On m'a appelé? On a besoin de moi? Hello again! Paf! Et voilà. Paf! Combat d'homme! Voilà! Tu vas faire quoi? Je suis au top, moi! Tu vas faire quoi? Vas-y, ferme ta bouche! Vous avez la ref? Numéro uno, number eins et number one, je collectionne l'argent, les casser les fesses de mes fans. Hey, dégage! Non, mais là. Ça va la comédie. Hop, l'esquive de la loutre! Et il m'a eu quand même! Ah! Eh, le lieu inconnu, il est où là? Il est en bas? Ah! Ah! Il est là. Oh, waouh! What? What? Mais. Non, vous rigolez? C'est un easter egg. C'est un easter egg. On peut pas y aller. On peut pas y aller, c'est un easter egg. C'est énorme. Oh, c'est incroyable. Attends, je peux enlever mon hibou? Ah, dommage. Oh, l'easter egg de ouf. C'est trop stylé. Ah. C'est énorme. Énorme. Bah merci pour cet easter egg, je suis ravi, je m'attendais. Ah, je m'attendais à rien. Et je suis pas déçu. Allez, salut. Aïe 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 aïe. Quelle histoire de dingue. Non mais cet épisode il est fou. Cet épisode il est fou. Bon bah on va pénétrer dans les terres Udam, messieurs dames. Ah, c'est complètement l'opposé de là où je vais, c'est énorme. Bon, de toute façon, je vais me TP ici. Au fort du grand Darwa. Eh bah, les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Le prochain sera exceptionnel, j'en suis persuadé. N'hésitez surtout pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Encore merci pour votre fidélité. La suite se passera ici, sans aucun doute. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve voilà, bah, pour le week-end. Pour peut-être la fin de l'aventure. Peut-être pas. Ce qui est certain, c'est qu'on approche de la fin. Je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo. À la prochaine, ciao tout le monde.